Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 48 de notre incroyable aventure exotique, évidemment sur Horizon Forbidden West, évidemment, comme d'habitude, 4K 60fps, tu connais la musique, un petit truc à boire et à manger, ça fait toujours plaisir et on s'approche de la fin du jeu et regardez-moi ce paysage magnifique. Allez, c'est parti, direction la base, évidemment. On va voir, normalement Gaïa n'est plus là, je crois. Je ne sais pas, on va voir qui y a, de toute évidence. Et si par la même occasion, on peut aller récupérer notre réserve, ça serait why not. Quand on te blesse, il faut rendre les coups. Verser le sang. Hey, je pourrais avoir une minute pour pleurer, mon ami. Regala va massacrer ma tribu pour renverser Ekaro, les Zéniths ont Beta et Gaïa. On ne peut pas rester là, pleurnicher sans rien faire. Kotalo a raison. On doit se battre. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, hein? Affronter tous les rebelles de Regala, c'est ça? Sans oublier les Zéniths. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Se jeter contre leur base? Quelque chose du genre. So. Quand on a perdu contact avec toi, on est allé ensemble aux Gémeaux. Qu'est-ce qu'il y a eu? L'enregistrement sur le focus de Varl s'interrompt quand ce Zénith Eric... Les Zéniths traquaient Héphaïstos. Quand Gaïa l'a piégé aux Gémeaux, il savait où on était. Et quand... Varl a voulu les arrêter. Ils ont pris Beta et Gaïa. Je dois ma survie à l'une des Zéniths qui s'est retournée contre les autres pour me sauver. L'une d'entre eux? Bon. Au moins, on ne t'a pas perdu aussi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va affronter les Zéniths. Pour récupérer Beta et Gaïa. Mais d'abord, on va arrêter Regala. Comment? Au Gémeaux, Beta m'a offert un cadeau. Je dois d'abord faire quelque chose pour que ça fonctionne, mais ça pourrait mettre fin au massacre. On raconte que Regala prépare son armée pour un énorme assaut sur le bosquet. Il faut que j'y sois. Je sais. Vas-y. Protège Ekaro. Et pense à surveiller le ciel. Que les 10 guident ton arme. Quant à vous autres, si vous devez vous préparer d'une quelconque façon, amélioration, ravitaillement, n'attendez pas. Nous n'allons pas tarder à combattre les Zéniths. Nous serons avec toi, Aloy. Et quand tu seras prête, retrouve-moi à la sortie Est. J'aimerais te parler en privé. Même aux heures les plus sombres, tu es comme la flamme qui éclaire notre chemin. Dis-moi juste une chose. Est-ce que je vais pouvoir désintégrer quelques-uns de ces enfoirés de Zénith? Oh que oui. Bien. Ok. Avant de me lancer dans autre chose, je dois aller voir Zo. Ça avait l'air important. On n'a toujours pas fait une game de ce jeu. Par contre, ça, c'est pas mal du tout. Oh oui, c'est même très très bien. Et je dois aller où? Parler à Zo. Est-ce qu'il y a ici... Ok. Attendez. Mais non, mais ça, c'est récupéré, ça. Mince. C'est pas ça que je voulais. Je voulais une cache. C'est peut-être ça. Non, ça, c'est attaque. Ok. Bon, on oublie. Fin de plan, les gars. Le plan a échoué. Et ça, c'est terrible. Putain, mais il n'y a pas une seule réserve ici. Il va falloir vraiment que je me TP ou quoi? C'est quoi ces merdiers? Ok. Oh, Sugoi. Sugoi! Oh, il y a un feu de camp, des barres. Attends, quoi? Ah, non, on est dehors. J'ai eu peur. Petit moment de doute. Allez, on save. C'est par où? C'est à 55 mètres. Ah ouais, d'accord. Non, fallait qu'elle prenne la pose badass de fin de game. Ça paraît logique. Histoire qu'on aille la voir à flanc de montagne. Par ici, Aloy.
On venait souvent ici pour s'occuper du jardin. Parfois, c'était juste pour souffler. Et d'autres fois, on s'asseyait devant le lever du soleil. Alors, quand on est revenu des Gémeaux, je me suis dit qu'il devrait reposer ici. Maintenant, il peut admirer Mélopée autant qu'il veut et... Et plus à l'est, les terres sacrées des Nora. Ça lui aurait plu. Il parlait souvent de sa sœur, Vala. Il m'a dit qu'elle aimait aller cueillir des fleurs dorées pour décorer sa lance. Leur mère trouvait ça inutile, mais Vala était têtue. Ouais, ça ne m'étonne pas. Ça n'a pas été simple, mais j'ai retrouvé la fleur. Et récupérer ses graines. Comme la fleur se fane et meurt figée dans la neige, la graine germe. La mort naît une nouvelle vie. Ça vaut pour la nature. Et également pour nous. Ah ! Je suis enceinte, Aloy. J'allais lui annoncer à notre retour des Gémeaux. Au lieu de ça, un jour, j'amènerai notre enfant ici. On s'assiera près des fleurs pour le lever du soleil. Je n'ai jamais pu lui dire. Le remercier de m'avoir sauvée, bien sûr, mais aussi de m'avoir autant soutenue. Il le savait. Dieu, Varl. Je promets de m'occuper d'eux. Ok. Je vais essayer de repasser dès que possible. Mais pour l'instant, je dois rejoindre le terminal de fabrication pour installer le nouveau piratage sur ma lance. Alors, le nouveau piratage, bibabibaboum. Très bien, mais c'est où ça ? Sur une aile des lions, et je ferai une entrée que Regala n'oubliera jamais. Ok. Fabriquer le piratage, alors ça je veux bien les gars, c'est à l'intérieur de la base ! Ouais, ça a l'air d'être à l'intérieur de la base. Très bien. Donc grâce à ça, est-ce que je vais pouvoir voler à ma convenance, parce que vous doutez bien qu'en fait on va pirater une machine volante, ou malheureusement ça sera totalement dirigé et je pourrais pas voler à ma convenance, hein, t'as compris. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est ça, fabriquer dispositif de piratage. Très bien. Et ça je peux pas parce qu'il manque des choses à gauche à droite, ok, très bien. Ça y est, c'est fait. Installé. Il me faut une aide des lions maintenant. Ah ! Je crois qu'il y a un nid en haut de la montagne. Attends, j'en ai vraiment pas ? J'en ai vraiment pas là, les gars ? Non, c'est un troll. Attends, on va voir de quelle montagne il parle, mais... Mais je crois qu'on s'était cassé les couilles à... Non ? Bon. Attendez. Ah non, putain. Il faut que je trouve une aile des lions à pirater. Je devrais grimper la montagne.
Bon, eh. On va pas se casser les couilles, hein. On va pas se casser les couilles, c'est fait pour, hein. Allez, let's go, hein. Let's go, let's go, let's go. Alors. Ok, on n'était jamais monté. C'est vrai que je m'étais jamais dit, bah, peut-être on peut monter en haut du bunker. Je m'étais jamais posé la question comme quoi ce jeu est toujours aussi exceptionnel. Il faut le dire. Ok. Et ben voilà. Je l'ai, ma bichette. Alors attendez. Regardez ce qu'on va faire. Des munitions d'autres purges pourraient la blesser. Attends, attends, attends. Je suis fou? Je suis fou? Non mais attendez. Non? Non, c'est ça? Quoi? Attends, quoi? Tout ça est très embêtant. Bien. Ok. Il y a des ailes des lions là-haut. Je vais devoir les approcher discrètement. Je suis un connard. Je suis un putain de fucking connard. Sarah connard. J'avais juste à les pirater. Je me casse. Non mais je suis teubé, voilà, ça c'est mon petit côté un petit peu portugais, portugo-australiano teubé. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, on se casse. Qu'est-ce que j'ai branlé, bordel. Tranquille, tranquille. Alors attends, 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 je suis fou, faut les tuer. Pirater, ouais, voilà, 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 voilà. C'est bon, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Alors, hop, cascade. Oh. C'est bon. C'est bon. Ne te laisse pas tromper par ces beaux paysages. Bon, on va se faire une petite TP. On va aller sur une réserve. Parce que j'ai beaucoup de choses à récupérer. Votre réserve. On va se TP là. On va sur cette réserve. Ça va être très très cool. Allez, go. Et comme ça, je vais me stuff un max là. Ne rate pas cette occasion de faire affaire. Putain, mais comment je vais pouvoir faire diversion, j'y pense, mais. Ok. Bah alors, bibiche. Ok. Je peux vraiment pas là? Si, c'est bon. Bougez pas. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. On va se TP ici très rapidement. On va s'équiper à fond dans la réserve. Heureusement qu'on est sur PlayStation 5, les temps de chargement sont ridiculement petits. Et où est la réserve? Elle est là. Votre réserve sous Goy. Alors, qu'est-ce qu'il va me falloir? Pâte explosive. Muscle de macadamia, peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas bien saisi. Givre lymphe, mort d'acier. Ok. Givre lymphe. Pâte explosive. Très bien. Donc, prendre. Ok. Ça, on prend. Et tu sais quoi? On va se blinder en tout. Ah non, c'est muscle. Pas de macadamia, mais de machine, des barres. Ok. Voilà. Allez. On va déjà pouvoir repartir. On va être très, 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 très bien. Alors, on est parti pour la vengeance. C'est par où déjà là? Attends, attends, je suis fou. Ok, c'est là. Let's go! Let's go, let's go, let's go. Allez. Excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Putain, niveau popo, je suis pas au max. Je vais pas en avoir besoin tout de suite, mais enfin, je suis pas au max. Je suis où là? Ok, super. Regarde les petits raccourcis des familles que seul moi connais. Superbe. On est parti, on va Hakun machine à elle. Et là, je sais pas ce qui va se passer après. Hein. Suspense et boule de gomme. Je vais peut-être utiliser les cailloux, je sais pas. Allez, bibiche. Alors?
Pourquoi tu voulais pas? Oh, le jeu est tellement beau quand même. Tellement beau. Non mais mec, matez-moi ça. Matez-moi ça, c'est fou. Extraordinaire, vraiment. C'est magnifique, magnifique. Ok. Très bien. Alors. Ok. Attends. Ça en prend. On en a jamais trop, même si on en a beaucoup trop. Je pourrais lui envoyer de l'eau de purge. De l'eau de purge? Mais Bibi, tu me dis des trucs, j'ai jamais eu ça. Attends, déjà ça en fait. Ça en fait. Voilà, un petit peu de respect. De l'eau de purge. Ok. C'est bon. Let's go. Let's go. Croix pour voler vers l'avant. Oh lo 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 lo, quel bonheur. Ça c'est beau ça. Ça c'est beau ça. Pour effectuer un tonneau triangle. Alors attendez, on va checker ça. Tilda, j'ai décollé. Alors il faut que tu récupères une batterie sur l'un des anciens titans Horus. Ok. Mais d'abord tu dois envoyer une impulsion pour les activer. Je t'ai envoyé le logiciel nécessaire. Pour le déployer, tu vas devoir pirater une des machines de communication que tu appelles Grand Coup. Il y en a un au bout du désert qui devrait faire l'affaire. Je m'en charge. Oh là là, incroyable. C'est la première fois dans Horizon qu'on peut parcourir l'open world en volant. Et ça, c'est exceptionnel. Oh, le jeu reste toujours tellement magnifique. Voilà le grand coup. Ok. Je vais me placer sur sa tête. Ralentir et entrer en vol stationnaire. Et R2 descendre, R1 monter. Très bien. Maintenant, comment je fais pour atterrir? Ok. Alors là, les gars, je vous garantis rien. Très bien. Bah voilà! Easy, mon pote! Mais attends, mais c'est trop cheaté pour les grands coups! Je peux faire tous les grands coups comme ça. C'est bon, Tilda. J'ai piraté le grand coup. Bien. Alors les batteries sont prêtes. Tu n'as plus qu'à en prendre une sur un Horus. Le plus proche devrait se trouver au nord-ouest de ta position. Ok. La faire tomber sur l'armée de Regala devrait offrir un sacré spectacle. Merci pour ton aide. Je te l'ai dit. Je veux aider. Sélectionner l'appel d'aile. Si vous possédez un aile piraté, l'utilisation de l'appel le fera venir vers votre position actuelle. Très bien. On va check cette petite map quand même, parce que regardez-moi ça. Mes couilles. Voilà, ça n'a... Attends, quoi? Ça n'a même pas déverrouillé la zone? Non, il va se poser comme un guerrier ou quoi? Wesh! Trop bien! Let's go! Let's go, let's go, let's go. Bon, ça a toujours rien déverrouillé de plus. Ok. Allez, c'est parti, direction 665 mètres! Non, mais ça, c'est trop bien, c'est mon nouveau joujou, ça. Je vous le dis, c'est mon nouveau joujou, hein. On va pouvoir faire toute la planète comme ça. Oh là 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 là. C'est ouf.
Ok. On va se poser. Attendez, je galère là. Ok. Et là, on va sur le Titan. Voilà la batterie. Et d'autres sur Titan. Ok. Putain, des barres, on peut même ramasser avec le bordel. Au bosquet maintenant. Ouah, trop bien. L'impulsion du grand coup devrait avoir réactivé toutes les batteries de la région. Attendez, attendez, mais c'est trop, trop bien. Je vais pouvoir en récupérer d'autres si je croise d'autres. C'est trop, trop bien. J'espère vraiment que. Arrivé à la fin du jeu, on peut continuer de jouer au calme. Sans spécialement revenir avant ce moment-là. Ça serait insane. Ok. Qui galère un peu. Hein. Allez, on y va. Reviens. À l'attaque. À genoux maintenant, et je te donnerai la mort que tu n'as pas eu le cran de me donner. Elles sont mortes! Les machines! Toutes mortes, il en reste pas une! Quoi? Mais comment est-ce possible? Régala! Oh le flex! Oh le flex! Le sang a assez coulé. On va régler ça, toi et moi. Facile à dire quand on est sur le dos d'une machine. C'était juste pour attirer ton attention. J'ai besoin d'aucune aide pour te mettre à terre. Bien. J'accepte ton défi. Et quand j'en aurai fini avec toi, je pourrai terminer ce massacre. Compte pas trop là-dessus. Le duel commence. Que personne n'intervienne. Ok, alors il déconne pas, Bichette. Bon, c'est à moi de jouer. Ok. Wouh! Wouh! Regarde, bibiche. Ah! Quoi? Wouh! 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 Tes attaques sont. Allez! Ok! Let's go!
wesh, tu triches. Bon, elle fait comme moi, mais... Ta lame est émoussée. Ton courage est rouillé. Ton corps est faible. Ah non, mais c'est un vrai combat, là, frère. Ok. Ok. Wouh. 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 Oh non, non, non! Ok. Je dois d'abord me reposer. Ça me fera... Oh, beaucoup trop fort. Go, 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 go! Dans la trachée exclusive. Ok. Je teinterai ce sol sacré. Mon sol pas faible. Ça fait du bien. Wow. Ok. Très bien ça. Très très bien ça. Ok, je vois rien. Ok. Ton cœur bat plus fort. C'est la Oh là là, je sais même plus quoi faire. On en est vraiment là ? Ok. Ok. C'est ici que tout s'achève. Oui, tu l'as dit. Ouais, mais alors attendez les gars, parce que ça je connais cette théorie, et cette théorie est fumeuse. Oh la vache, ok. Quoi? Je vais pas enlever de vie là? Mais wesh! M'aider. J'ai le seum. Allez. Ok. Parfait. Ok.
Putain, c'est terrible. C'est pas facile, hein. La faiblesse est donc le feu, ok. Bien bibiche. Ah ok, ok, ok. J'ai trouvé. Bien bibiche. Attends. Voilà. Oh la con, elle est partie dans l'eau. La con. Ok. Comment je peux faire un piège? Viens. Quoi? La tricheuse. Viens cousine, wesh. Quoi? Mais what the fuck, les amis? Quoi? Et moi, ça marche? What? Voilà. Attends. Allez! Casse un peu les couilles, hein. Ok. Oh là 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 là. Bibiche. Quoi? Mais putain, je me fais baiser tout le temps. Bien wesh. Ouais, très bien wesh, hein. Frère. Mais non, t'abuses. Non, t'abuses. T'abuses. Ok. C'est pas grave, ça fait mal mais je reste debout. Non, c'est trop. Ok, c'est quoi ça? Très bien. Ok. Ok, ok. Putain, j'essaye de... Elle est où, wesh? Wesh! Ok. C'est beau ça. Ça c'est beau ce pouvoir. Ok. Ça c'est beau aussi. Je crois qu'elle a pris. Ok. Mais cousine. Ok. Elle a un casque, hein. Faut tirer le coup, hein. Très bien. Très bien, ça c'est dans les chicots. Très bien, wesh. Attends, c'est pas le moment. Ça soulage. Bon, sa faiblesse c'est le feu, mais nique, j'ai pas.
Ok. Ça c'est embêtant, ce qui se passe. Putain de merde. Bats-toi jusqu'à la mort. Ok. Bien joué dans ma gueule. Morte. Allez, salut. Ah, attends, j'ai fait le malin. Let's go. Et ça commence. Me voilà à genoux devant ces lèches-bottes et ces lâches. Allez-y. Finissez-en avec moi. Cesse de caqueter, traîtresse. C'est toi qui as volé sur les ailes d'Edis. C'est toi qui l'as défié par nos traditions. Tu dois décider de son sort. Je l'ai déjà épargné. Et cela ne nous a pas réussi. Dire que c'était ma meilleure maréchale. Quel gâchis. Elle est clairement dangereuse. Mais peut-être que c'est ce dont j'ai besoin. Bande de lâches! Pourquoi avez-vous encore besoin de conspirer? Nous décidons de ton sort. Ce n'est pas facile. Une autre bataille se prépare. Si je dis notre bataille se prépare, ça veut dire que je peux l'amener à nous aider, quoi. Tu as mené une rébellion qui a déchiré une tribu. Pour assouvir ta soif de sang, ta vengeance. Tu mérites probablement de mourir ici. Cependant, ta colère peut s'avérer utile contre le véritable ennemi. Tu voudrais en faire ton allié? Comment peux-tu te fier à elle? En dépit de tous ses méfaits, je dois avouer qu'elle a toujours tenu parole. Et est-ce qu'elle la donnera? Je ne te supplierai pas de me parler. Décide-toi. Il nous la faut. Ce n'est pas à moi de pardonner tes crimes. Mais un autre combat arrive. Contre un ennemi bien plus puissant que tout ce que tu peux imaginer. Et j'ai besoin de soldats. D'une escouade. Qui sera prête à se battre jusqu'au bout. Je ne veux pas de ta pitié. Ce n'est pas de la pitié. La bataille dont je te parle sera un véritable cauchemar. Une mort bien plus glorieuse. Mon sang est à toi. Tes ennemis seront les miens. Bah voilà! Rejoins-nous à notre bastion, dans les montagnes, près de Mélopée. Tu veux lui envoyer toute seule? Sans même une garde armée? Elle n'en a pas besoin. Je t'y retrouverai. Tu as ma parole. Bien, je compte sur toi. Chef, vous devriez venir voir ça, tous les deux. Dans la salle du trône. Il s'est livré aux gardes en poste aux abords du bosquet. Il affirme avoir un message urgent pour l'étrangère qui a défait Regala. Alors, parle. Non, ce n'est que pour elle. De la part d'un ami commun. J'ai besoin d'un peu d'intimité. Laissez-le. Placez-le avec les autres soldats de Regala.
Nous nous retrouverons à la base. Tu as sauvé la tribu. À mon tour, laisse-moi t'aider. Non. Sans Regala, vous pouvez maintenant bâtir le futur dont vous rêviez. Mettez-vous à la tâche. Alors, laisse-moi au moins te donner ceci. Une armure pour la bataille à venir. Qu'elle te protège. Merci. Est-ce que tu as la moindre idée de ce que tu viens de faire ? Ah, moi aussi, je suis ravie de te voir, Silence. Je te félicite pour cette victoire. Tu viens d'offrir au Ténac un léger sursis. Malheureusement, tu viens également de condamner toute la planète. Non. Je n'ai pas besoin des Ténac pour vaincre les Zéniths. Oh, Aloy, tu n'as vraiment rien appris de l'ennemi que nous combattons. Plus que toi, qui te terre dans je ne sais quelle cachette. Mon plan dépasse de loin tout ce que tu aurais pu imaginer. Je t'écoute. Non, pas ici. On va le faire à ma façon. Face à face. Et avec l'arme que tu as développée. Et pourquoi j'accepterais tes conditions ? Parce que je suis ta seule chance de vaincre les Zéniths et de récupérer la copie d'Apollon dans leur vaisseau. Retrouve-moi à ma base. Les monts à l'ouest de Mélopée. Il va falloir te rendre à l'évidence, Silence, et te rallier à la personne qui sait ce qui doit être fait. Ne traîne pas. Allez, il est temps de s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu. Silence, je vous dis, portez-vous bien. À très bientôt, et on a pris un niveau. Niveau 30 atteint. C'est exceptionnel. Bye bye. Maintenant que je peux voler, je devrais voir ce que je peux faire d'autre avant de rentrer.